Bonjour à tous. Bon, Londres a été soi-disant la capitale du monde pendant quelques heures. Moi, franchement, pour tout vous dire, cet enterrement m'a profondément ennuyé. Par contre, Londres est toujours, toujours, actuellement, l'endroit où est emprisonné Julien Assange. Pour parler comme Guy Debord, ce que va nous montrer la monarchie britannique aujourd'hui, c'est la société du spectacle à son paroxysme. Londres aujourd'hui est le centre du monde. Oui, les chefs d'État et de gouvernement avaient rendez-vous aujourd'hui à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU et la première depuis le Covid avec au programme la guerre en Europe, la crise alimentaire en Afrique, l'inflation partout, le changement climatique aussi. Que des urgences. Et voilà qu'on abandonne tous ces discours que personne n'écoute, sauf ceux qui les ont écrits et ceux qui éventuellement les lisent avec le ton. Fini les Nations Unies, place au Royaume-Uni, c'est là qu'il faut être, hein, prêt à piétiner en silence comme tous les Britanniques qui processionnent depuis 10 jours, prêt à faire de la figuration muette pour être sur la photo, roi, reine, sultan, tête couronnée ou héritier d'anciennes familles régnantes, et tous les premiers de la classe que sont les présidents élus et les premiers ministres. Qui a dit que Londres était has-been, que la city était condamnée? Il y a même un empereur, le japonais, qui n'était jamais sorti de son île. Il manque le tsar, le russe, chassé du club comme un voyou, infréquentable comme le Rocketman de Corée du Nord, le Syrien couvert de sang ou le chef des talibans afghans qui reste dans leur cage. En privant Vladimir Poutine de carton d'invitation, les Britanniques sont cohérents avec leur engagement en pointe en Ukraine. Ils entraînent le reste de l'OTAN. Leur influence est indéniable. Londres est redevenue la capitale de la guerre froide. Alors un autre absent, c'est le président Xi Jinping. Il n'est pas venu. Oui, il a envoyé son vice-président Wang Qishan qui est prié de prendre son tour au milieu des 2000 invités. Les Britanniques ont perdu leur empire. Ils ont claqué la porte de l'Union Européenne. Ils sont en deuil, en pleine crise politique et sociale. Mais il continue de considérer le reste du monde comme des cousins de province. Et il résiste toujours aux envahisseurs. Le président de la Chambre des communes a interdit l'accès à Westminster à une délégation officielle chinoise. Un affront délibéré qui est une mesure de représailles parce que 7 députés britanniques ont été déclarés persona non grata en Chine après avoir dénoncé la répression des Ouïghours. L'Angleterre traite la Chine d'égal à égal. Elle fait toujours partie des grandes puissances parce qu'elle se conduit comme telle. Ce sont aussi, Vincent, les premiers pas de Charles III sur la scène mondiale. Alors, c'est pas le bal des débutants, parce que ça fait un demi-siècle qu'il côtoie les premiers ministres, les chefs d'État, qu'il voyage, il connaît les arcanes de la diplomatie, comme les subtilités du protocole. Hier, c'est un vétéran qui a reçu à Buckingham les dignitaires déjà arrivés. Il faut plutôt le voir comme une sorte de vieux sage. Son premier discours sur le recyclage nécessaire du plastique date de 1971. Et il aura besoin de cette longue expérience pour succéder à sa mère. On dit qu'il veut moderniser la firme. Pour une fois, ça ne veut pas dire dégraisser, ça veut dire simplifier le protocole, alléger les tâches de réglementation. Là-bas aussi, le temps de l'abondance est révolu. Il s'agit surtout de protéger le Commonwealth en mettant en avant des urgences communes comme l'environnement. Un vent mauvais souffle dans la Caraïbe, la Jamaïque a coupé les ponts, l'Australie elle-même est tentée par le grand large. Ce qui est quand même curieux pour un pays qui redoute plus que tout de se retrouver seul face à son voisin chinois. Charles III a l'expérience et l'énergie. Et surtout, il a ce trésor qui s'étale sous nos yeux envieux, le soft power britannique qui fait de Londres ce matin le centre du monde. Oui, nos yeux envieux, envieux en un mot. Et l'Angleterre fait toujours partie des grandes puissances puisqu'elle se conduit comme telle. Voilà, magnifique phrase. Merci beaucoup Vincent de vos lumières. 7h46. Alors par contre, Londres est toujours l'endroit où est détenu Julien Assange. Rappelez-vous Julien Assange, l'homme qui a pu faire fuiter sur la gouvernance des États-Unis, l'homme qui a ouvert des dossiers irakiens, les dossiers libyens, les dossiers afghans. Et aujourd'hui, nous recevons Laurent Doré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, spécialisé dans la géopolitique occidentale, la critique des médias et les dispositifs de propagande, spécialiste de l'affaire Assange. L'affaire Assange, effectivement, qui vient de paraître, histoire d'une persécution politique. Et je voudrais simplement rappeler
aux auditeurs de Sud Radio, à tous, aux résistants, à ceux qui pensent que la liberté ne s'use que si l'on ne s'en sert pas, et que la liberté c'est pas seulement un mot sur un fronton, c'est autre chose. À ce qui s'est passé avec Julian Assange et surtout ce qui se passe encore 10, 12 ans après avec cette personne qui est littéralement, alors elle, pas confinée, mais enfermée. Enfermée parce qu'il a parlé, parce qu'il a révélé. Et je rappelle pour ceux qui l'ont oublié ou l'ignoraient que Wikileaks, qui a été fondé par Julian Assange, est à l'origine des principales révélations qui a ébranlé les puissants de ce monde depuis les années 2010. Images des crimes de guerre américains en Afghanistan et en Irak, espionnage industriel des États-Unis, compte secret aux îles Caïmans. Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali n'a pas survécu longtemps à la divulgation par Wikileaks d'une communication secrète du département américain qui le traitait de régime sclérosé et mafia et mafieux. C'est également Wikileaks, faut le rappeler, qui révéla que deux dirigeants socialistes français, François Hollande, après président de la République, et bien Moscovici, s'était rendu le 8 juin 2006 à l'ambassade des États-Unis à Paris pour s'y désolidariser de l'opposition trop vigoureuse à leurs yeux du président Jacques Chirac à l'invasion d'Irak. Mais ce qu'on reproche beaucoup à Assange, c'est évidemment la publication sur son site, sur Wikileaks, des courriels de la campagne d'Hillary Clinton. Et vous rappelez que cette chère Hillary Clinton avait à coup de marteau détruit 3000 ou je ne sais pas combien de mails sur son ordinateur. Les manœuvres pour saboter la campagne Bernie Sanders, etc., etc., etc. Et aujourd'hui, Julian Assange, qui vivait depuis presque 10 ans, on va en parler, dans une petite chambre de l'ambassade de l'Équateur à Londres, eh bien aujourd'hui, il est en prison, à Londres. Il est en prison, attendant sa possible, c'est pas fini, extradition aux États-Unis, où l'attendent 175 ans de prison. Ça veut dire la mort, évidemment, en prison, voilà. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Julian Assange? Alors qu'est-ce qu'il a fait, Laurent Doré, pour mériter, parce qu'on veut bien, est-ce qu'il a tué, est-ce qu'il a violé, est-ce qu'il a dépecé, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a publié des informations extrêmement embarrassantes pour les États-Unis d'Amérique. Et c'est ça le fond de l'affaire, parce que elle dure depuis 12 ans. Donc on peut se perdre dans les fausses informations, les calomnies qui ont été déversées sur lui. Puis le feuilleton judiciaire est tellement long que c'est pas évident d'avoir bien ça en tête. Mais à l'origine, ce sont de grandes révélations sur la guerre en Irak, sur la guerre en Afghanistan, sur la diplomatie états-unienne. Ces révélations qui sont extrêmement embarrassantes, révélant des crimes de guerre, de la corruption, les dessous peu reluisants de la diplomatie états-unienne. Et c'est pour ça dont d'ailleurs, à l'époque, beaucoup de journaux dits mainstream, c'est-à-dire les grands journaux, même le New York Times, Washington Post, Le Monde, etc., l'ont publié, même en une. Enfin, oui, donc, ils en sont servis. Wikileaks avait noué des partenariats avec de grands journaux internationaux, dont New York Times, Le Monde, Le Guardian, Der Spiegel, El País. Tous ces journaux se sont un peu détournés de lui depuis et ne sont pas, disons, en tête pour le défendre. Il est allé trop loin. Ce sont des choses qu'il n'aurait pas dit divulguer. C'est quoi il y a l'histoire d'Assange, c'est aussi l'histoire d'une campagne de dénigrement extrêmement efficace. Pourquoi Julian Assange n'est pas davantage soutenu aujourd'hui? C'est parce que il y a eu cette campagne redoutable qui a été menée depuis Washington principalement, mais aussi avec la collaboration de certains médias, et qui ont, cette campagne a marqué des points manifestement, puisque ça a éclairci les rangs. On a dit que c'était un violeur, etc. Alors il y a l'affaire suédoise, évidemment, qui a fait beaucoup de dégâts. D'ailleurs, il faut lire le livre de Nils Melzer, qui fait le point sur cette affaire et qui, à mon avis, établit définitivement les faits et à quel point cette affaire a été instrumentalisée. Ouais. Je rappelle que Nils Melzer, il faut le dire juste ici, puisque le livre vient de paraître. Vendredi, donc l'affaire Assange, histoire d'une persécution politique, audition critique. Il faut rappeler que Nils Melzer, c'est pas un journaliste, c'est pas un polémiste, c'est le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et les mauvais traitements. Il est mandaté par le Conseil des droits de l'homme à Genève, donc c'est un fonctionnaire. C'est un juriste, spécialiste de droit international, de droit humanitaire. Il est professeur à la fois à Genève et à Glasgow. Il a été pendant 6 ans le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture. Et il raconte dans le livre qu'au début, quand il a été contacté par les avocats d'Assange, il a eu une réaction de rejet parce qu'il avait été lui-même sensible à cette campagne de dénigrement. Il a lu
Et il a découvert le scandale de cette affaire. Et donc, il a essayé d'alerter, de par son mandat. Il a contacté tous les États qui sont impliqués dans cette persécution, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Équateur, la Suède. Il a écrit, il leur a demandé de réagir, tout ça. Et puis, il s'est aperçu que personne ne voulait répondre à ses questions et qu'il y avait une énorme résistance. Et donc, il a alerté la presse aussi, des communiqués. Et puis, tout ça pour constater que ça n'avait pas beaucoup d'effet. Et donc, c'est pour ça qu'il a écrit ce livre. Alors, d'abord en allemand, puis il a été traduit en suédois, en anglais. Et maintenant, il va paraître dans quelques jours en français. En fait, Julian Assange, c'est 12 ans maintenant, pratiquement, de privation de liberté sous une forme ou sous une autre. Maintenant, c'est 3 ans et demi dans cette prison de haute sécurité à Londres, qui s'appelle Belmarsh, qui est l'équivalent britannique de Guantanamo. Il est à l'isolement extrême, complet, enfin, 23 heures sur 24, donc c'est quand même... Ah, il a droit à une heure de... Voilà, mais c'est... Les maux dont il souffre ne sont pas correctement traités, on qu'est-ce sait qu'il a... Qu'est-ce qu'il il a des problèmes pulmonaires, des problèmes au dos, à une épaule, dentaire, etc. Donc tout ça a été assez dégradé pendant les années à l'ambassade d'Équateur, puis après dans la prison. Il risque de se suicider si jamais il apprenait qu'on l'envoie aux États-Unis. Ce qui est toujours possible aujourd'hui. Ah oui, c'est bien sûr, c'est possible. On attend l'issue de du calvaire judiciaire qui se poursuit avec des appels, contre-appels, tout ça. Mais bon, on voit que l'issue se profile, hein, les recours s'amenuisent. Je vous invite tous à aller signer la pétition pour la libération de Julian Assange. Le lien est dans la description. Merci beaucoup. Alors, en Russie, bon nombre d'hommes s'engagent. Ils s'engagent dans l'armée. Граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, годных к военной службе, ну и, соответственно, имеющих образование не ниже основного общего. Как правило, сейчас патриотически настроенные граждане выбирают краткосрочный контракт на 3 или на 6 месяцев для участия в специальной военной операции. La guerre d'Éthiopie au Tigré revient sur le devant de la scène. Vincent, effectivement, vous nous parlez ce matin de ce rapport au vitriol qui dénonce à l'ONU la guerre qui a repris en Éthiopie ces dernières semaines. Oui, la guerre au Tigré est une guerre à huis clos, sans pitié. C'est une guerre faite aux civils, une guerre particulièrement cynique, celle d'un homme qui est prix Nobel de la paix. En 2019, les jurés suédois auraient mieux fait de distinguer le président éthiopien Abiy Ahmed comme prix Nobel de la guerre, prix Nobel de la sale guerre. Il avait à peine empoché le chèque et la médaille qu'il lançait son armée à l'assaut des rebelles, des traîtres, des saboteurs, autrement dit des Tigréens, les anciens maîtres du pays revenus dans leur province et accusés de dissidence. Bref, une guerre préventive contre une engeance malfaisante, une guerre avec viol collectif, massacre, nettoyage ethnique, tout un cortège d'atrocités. Alors, le rapport remis au Conseil des droits de l'homme de l'ONU dénonce, je cite, « plusieurs cas de violation des droits fondamentaux qui peuvent constituer des crimes contre l'humanité ». Ce qui laisse toujours pensif avec les experts onusiens, c'est l'usage du conditionnel, la fausse prudence dont ils s'entourent, cette langue de bois bien vernie. Quand ils dénoncent les restrictions à l'accès humanitaire au Tigré, il faut comprendre que l'armée éthiopienne boucle la région et organise la famine. Elle interdit aux ONG
envisagez d'approcher les Tigréens qui ont besoin d'aide, c'est-à-dire 90% d'entre eux, c'est-à-dire à peu près 6 millions de civils qui crèvent de faim. Ce calvaire a duré un an et demi. Depuis 4 semaines, c'est pire. Après des mois de trêve, l'armée d'Addis Abeba bombarde la province rebelle. La famine ne devait pas aller assez vite. Les experts des Nations Unies, Vincent, sont particulièrement choqués par l'ampleur du drame et par sa durée. Ils ont découvert que le gouvernement éthiopien et son allié érythréen commettaient des crimes contre l'humanité pour des motifs ethniques. Ils découvrent la Lune. Et ils ont eu du mal à la trouver, la Lune, parce qu'ils sont restés encalminés à Addis Abeba. Ils n'avaient pas le droit de quitter la capitale. Le rapport détaille longuement les entraves au travail des enquêteurs. À force, ils ont dû admettre que le pouvoir se moquait d'eux. Est-ce que l'Éthiopie ferait comme la Chine qui s'est moquée des enquêteurs de l'OMS sur le Covid? Eh bien, pourquoi pas? C'est un géant, l'Éthiopie, un géant de 120 millions d'habitants, la vraie capitale du continent, puisqu'il y siège l'Union africaine. C'est le plus vieux pays chrétien au monde, avec l'Arménie. Une mosaïque d'ethnies, de langues, de religions qui forment un univers à part, avec son propre alphabet, son calendrier, qui commence le 11 septembre. Alors, ils ont réalisé, les experts de l'ONU, que le président roulait tout le monde dans la farine, Vincent. Abiy Ahmed est un homme des services secrets, devenu un homme politique. Il est habitué aux calculs cyniques, il avance masqué, la violence ne lui a jamais fait peur. Il a noué un pacte avec le tyran voisin, Isaias Afwerki, l'alcoolique qui règne sur l'Érythrée, et c'est pour cette paix soudaine qu'il a obtenu le Nobel. Double erreur, fatale erreur. Les deux voisins n'ont pas fait la paix, ils ont décidé ensemble de faire la guerre aux Tigréens. Le brevet de moralité du jury Nobel a fait taire tous les opposants, il a servi de blanc-seing, Abiy Ahmed s'en est servi pour conforter son pouvoir en exacerbant la haine ethnique et le ressentiment alors qu'il avait promis la réconciliation. La guerre est la quintessence de l'enfer, avait-il dit à Oslo en recevant le prix. C'est bien vu, mais personne n'a imaginé qu'il était prêt à aller le vérifier lui-même. Alors Sandrine Rousseau agit toujours, toujours les plateaux de télévision. Julie, elle lance le débat, mais c'est pas un débat. Qu'elle nous parle des problématiques dans les facultés, puisqu'elle connaît ça, elle a été directrice d'une fac. Qu'elle nous parle d'économie, ça serait beaucoup plus intelligent de ça. Elle parle d'économie, en quelque sorte. Oui, tu parles pour si dire elle dit qu'il faut partager le travail. Oui, pour dire que c'est bien de rien glander, en gros. Enfin, moi, tu sais, du prisme que j'ai du petit élu du rural, je me dis qu'on a une classe politique, et notre cher Boudjela a raison, pathétique. Je veux dire, on a touché le fond, on est en train de ramer, et avec toute cette caste. Non, on creuse, là. On le creuse, on est en train de creuser. De Rousseau, des ouais. Caron et compagnie, des gens qui, pour moi, n'ont jamais rien travaillé de leur vie. Ils n'ont jamais travaillé, ces gens-là. Ils n'ont fait que vivre dans la bobosphère parisienne. Ben non, excusez-moi. Non, madame Rousseau, c'est énorme. Clémentine Autain, et tous ces apparatchiks, excusez-moi, mais tous ces apparatchiks. Il y a deux questions du jour que nous posons sur les réseaux sociaux ce matin, que je vous pose directement. Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de Sandrine Rousseau? Le travail, une valeur de droite, c'est caricatural, c'est réducteur, c'est exact, c'est ridicule. Ben vous dites, c'est ridicule assez majoritairement. Et puis l'autre question, c'est Emmanuel Macron veut une meilleure répartition des étrangers sur tous les territoires, y compris ruraux. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est utopique? C'est un bon projet? C'est une mauvaise idée? Ou sans avis, majoritairement, c'est une mauvaise idée? Oui, Laurent, bonjour Laurent. Oui, bonjour. Laurent, alors, qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de Sandrine Rousseau, là, le travail, une valeur de droite? Caricatural, réducteur, exact ou ridicule? Ah ben ridicule. En fait, Sandrine Rousseau, là, elle existe que par les punchlines qu'elle diffuse, oui. Qui font avancer rien du tout, qui font pas avancer la société, qui peut-être en plus dresse les uns contre les autres, parce qu'on est dans une société où celui qui va faire le plus de buzz, ben c'est peut-être celui qui va donner l'impression de réussir. Non, elle sert à rien, Sandrine Rousseau, sur la valeur travail. Moi, j'ai une petite annonce à lui faire. Hein. Moi, je suis un chef d'entreprise, j'ai une TPE. Oui. Ben, je l'invite à venir bosser une journée avec moi, puis elle va voir si la valeur travail, ça sert à rien. Quoi. Ouais, ouais. Alors, c'est pas exactement ce qu'elle a dit. Hein. C'est pas, ça sert à rien. Quoi, elle prône une France des paresseux, quand même. Hein. Ouais. Et il faut pas oublier, quand on aura que des paresseux en France, on fera comment? Éric Nolot et Guillaume Bigot. Éric, on assiste encore à l'affrontement de deux gauches inconciliables. Il y a la gauche Rousseau contre la gauche Roussel, il y a la gauche Zozo contre la gauche Coco. Ouais. Ce que raconte Sandrine Rousseau, c'est une ineptie. Évidemment, c'est aussi une valeur de gauche. Ça l'a toujours été à travers l'histoire. C'est Philippe Martinez, bien sûr, qui est de la gauche Roussel, pas de la gauche Rousseau. Ça nous a rassurés. Non, mais ça a toujours été une valeur d'émancipation. Mmh. Ça a toujours été même une valeur d'opposition à la bourgeoisie oisive. Et notamment, je reviens sur l'émancipation, une valeur d'émancipation.
l'émancipation pour les femmes. On a réclamé que les femmes aient le droit de sortir de chez elles pour aller travailler. Écoutez, Sandrine Rousseau, c'est la gauche indigne parce que je ne sais pas quelle est la part de conviction, c'est-à-dire de délire, de conviction, et le calcul cynique qu'en effet, elle attire à chaque fois la lumière, qu'elle sort une énormité. Il y a peut-être un peu des deux, mais la gauche, avec ce genre de discours, va dans le mur. Ouais. Guillaume Bigot. Je peux abonder dans le sens de mon camarade Nolo pour une raison simple, c'est que on voit bien que ce qui a été introduit sous forme, disons, d'assistanat, hein, ce qui n'est pas dans le package du Conseil national de la résistance, qui était de la solidarité sociale, et que rêve encore le MEDEF de détruire d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé dans les années 80-90. Et là, c'est une sorte de sédation pour que ça soit supportable, le fait que le travail soit parti. C'est-à-dire qu'on est désindustrialisé. C'est ça qui se passe, en fait. Et là, on a de l'assistanat, c'est-à-dire c'est le RSA, c'est la CMU, c'est l'AME, etc. C'est ça qui choque. Et Mme Rousseau, elle défend ça. Alors, elle défend deux choses, d'ailleurs. Elle défend à la fois cet assistanat qui s'adresse directement à une population qui est souvent immigrée, d'origine, pas, qui pas que, pas, pas que, pas que, parce que par exemple, les plus de 55 ans, il y en a quasiment un sur deux dans le privé qui n'a pas de boulot et en fait aujourd'hui et qui a besoin du RSA, qui a du mal d'ailleurs à joindre les deux bouts, bien sûr. Dans la sédation, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de travail, c'est le travail qui doit devenir, doit être un droit. Mmh. Et dans la gauche, le travail est un droit. Mmh. Et comme il n'est plus un droit parce qu'il n'y a plus de boulot, parce qu'il y a eu des industrialisations, alors on a cette sédation de l'assistanat, etc. Mais c'est derrière le droit à la paresse. On comprend bien aussi que c'est un clin d'œil à son électorat, qui n'est pas du tout un électorat laborieux. C'était l'électorat des cadres sup qui avaient bénéficié, souvenez-vous, des 35 heures, des RTT, du loisir. Voilà, c'est à ces gens-là qu'elle s'adresse. Parce que son électorat, il est composite. Il est composé à la fois, on l'a vu, de gens dans les quartiers. Voilà, peut-être aussi, moi je pense, moins de ces retraités qui bénéficient encore une fois de ces minima sociaux, mais surtout les bénéficier de cadres et de cadres sup dans les grandes villes, dans les centres-villes. C'est ça, donc elle ne s'adresse absolument pas à la France laborieuse, madame Rousseau. Parce qu'elle est hors sol, madame Rousseau est hors sol, elle vit dans une dimension parallèle qui est celle de l'idéologie. Il faut qu'elle revienne sur Terre. Mais elle a son électorat qui n'est pas celui du travail. Oui, mais il faut parler à madame Rousseau, il faut parler à son électorat et leur dire de revenir sur Terre parce qu'on ne peut pas parler depuis les hauteurs où ils se trouvent. Bon. J'espère que vous avez aimé cette revue de presse. À bientôt. Le pouce et partagez. Au revoir.